arrivés. Bah là, du coup, on est, on vient d'arriver à Bellegarde et on est toute une bande de blogueurs. Je sais pas si vous voyez un petit peu là derrière. Et on a reçu ceci. On est ici pour deux choses bien à découvrir, deux choses à savoir la Skoda Kodiaq, une voiture 4x4. Et également le Rocky Pop Hotel. Donc là, la première étape de la gare, on va aller direction le Rocky Pop Hotel. Il y a un petit peu de route. On va découvrir le véhicule tous ensemble. Voilà. Hein ? On est à bord du Skoda Kodiaq. D'accord ? Et voilà, en fait, on nous laisse complètement autonome. Et ça nous de découvrir, d'appuyer sur tous les boutons. On a le droit de tout faire. C'est génial. On va voir ce que ça donne. Par contre, c'est une automatique. Donc, ça fait un petit moment que j'ai pas roulé en automatique, mais on s'adorait le faire. Et bon, on aperçoit là-bas déjà une partie des blogueurs. Le convoi est en train de se créer. Bon ben voilà, ça y est, on est arrivé. Après ce long périple et de nombreux détours, on y est arrivé. Et donc voilà, ben on a pu découvrir la Skoda Kodiaq. Et maintenant on est arrivé au Rocky Pop Hotel. Donc voilà, on va découvrir. Et ben voilà, nous voilà arrivés enfin, installés dans cette chambre. Alors c'est une chambre simple ici, je pense, ou une double, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis tout seul dans la chambre. On va aller retrouver tout à l'heure les copains et les copines. Mais je vais vous faire un petit tour vite fait quand même de la chambre, voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, au niveau de la déco, ben on a, c'est assez simple. Simple et c'est fun. Avec notamment là le téléphone rouge. Et oui, le téléphone. Tac, tac. Donc c'est un peu inspiré justement montagnard, mais pas tant que ça. C'est montagnard jeune, j'ai envie de dire. Hein, vraiment, vraiment, j'aime bien. C'est vraiment sympa. Là on va aller quand même voir la salle de bain. Voilà. Ouh, le joli Rubik's Cube. Yes. Tac. Avec une baignoire. Une douche. Et là, on a un cadet. Donc voilà, avec bien sûr là les produits, les soins, les serviettes. Voilà, le toilette. Et il y a même un sèche-cheveux. Donc voilà, c'est assez, c'est simple, simple et funky, j'ai envie de dire. Donc voilà. Hein. Tac. Ben voilà, on est installé. Et maintenant, on va redescendre parce que je crois qu'on nous attend. Il y a un petit truc qui nous est réservé. And I'm feeling low. Voilà une grande tablée. Maintenant, on est tous ensemble, on est arrivés. On va passer à table après avoir reçu un cocktail de bienvenue vraiment sympathique. Maintenant, on passe à table. It's a new dawn.
jour 2 et cette fois-ci on va découvrir, enfin on va dire, on va aller un petit peu plus loin avec les Skoda. Voilà, on continue après quelques kilomètres en voiture à se balader un petit peu sur les hauteurs de Chamonix avec un paysage qui est juste énorme. On est sur le chemin du cantonnier pour être plus exact. Et voilà, on se balade, on découvre tout ça. On s'arrête ici à l'auberge la Burn, Hollywood Burn. Donc on s'arrête ici, petit arrêt, on va déjeuner. Ah mais oui, au soleil c'est mieux. Et on a joué un petit peu à essayer de trouver où se trouver. C'était le parapluie, un parapluie et la raclette qui se trouve dans des endroits assez cachés du véhicule. Et c'est assez ingénieux. Ben voilà, après le petit road trip, après la pause dans l'auberge, dans le refuge, maintenant. Allez, alors, au revoir. Alors, le... ben voilà, arrivé en haut tout de suite. Ça impressionne, je sais pas ce que vous en pensez. C'est une expédition. C'est comment dirais-je, le retour des blogueurs des neiges. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, j'étais au lac Blanc. Là, on est monté un petit peu en altitude. On est monté d'un cran.
parti de notre hôtel pour arriver ici. Hôtel Heliopic. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite séance de spa. On va profiter un peu, si la porte veut bien s'ouvrir. Mais un petit tour juste quand même. Dans cet hôtel, il y a des petits coins. C'est très 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 sympathique, avec mise à disposition d'ordinateur et même tenez-vous bien, regardez-moi ça, de la réalité virtuelle. Donc on rentre ici chez Nux Spa, il y a un spa dédié aux produits Nux et on va découvrir ça ensemble. Au fond à gauche, vous avez un premier hammam. Il est un peu caché, c'est pour ça aussi. Sur la droite, ce sera l'entrée au spa. Donc voilà, on est avec la petite bande. On est en train de découvrir un petit peu ce spa qui est dédié aux produits Nux. C'est ça, c'est des produits, c'est des cosmétiques. Alors on aperçoit ici la piscine. On va pouvoir voir un petit peu l'infrastructure. Un truc à essayer absolument, c'est ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Regarde ça. Voilà, on sort d'Heliopic Hotel du spa. Il y a une partie du groupe qui a fait un petit tour dans Chamonix. Maintenant, on est à nouveau dans les Skoda Kodiaq, direction l'hôtel. On va déjeuner tous ensemble pour terminer ces 3 jours en beauté. Et ensuite, à la maison. Donc voilà, si jamais vraiment, je vous invite à aller faire un tour à l'hôtel où on est logé pendant ces 3 jours. Je le rappelle, c'est le Rocky Pop Hotel. Il est vraiment top. Et puis un petit tour à l'Heliopic Hotel si vous voulez prendre soin de vous. Donc voilà.